à toutes et à tous et bienvenue au château pour ce week-end d'exposition de l'atelier photo activité d'Activals. Après quintessence en 2021 et puis rétrospective en 2022, nous sommes heureux d'accueillir l'exposition de l'atelier photo Activals sur le thème l'art des bâtisseurs. Architecte, maître d'œuvre et durant un temps tailleur de pierre et sculpteur, charpentier et forgeron ont réalisé au cours des siècles des prouesses architecturales. De tout temps, ils ont rivalisé d'audace, leur savoir-faire et les matériaux utilisables évoluent et ils ont innové en permanence leurs techniques de construction. Leurs œuvres constituent un fondement de nos cultures. Lors de cette exposition, l'art des bâtisseurs, les photographes de l'atelier photo Activals nous présentent 86 photos d'édifices historiques et contemporains. Ceux-ci vous feront passer du Moyen-Âge au XXIe siècle, d'un simple balcon à une cathédrale, de Musinan à Oslo, de pont à clocher. Ces photos sont d'une grande qualité technique et artistique et réalisées par les membres de l'atelier photo qui sont pour beaucoup parmi nous. Les membres du groupe réalisent ces clichés sur c'est un travail qui est rigoureux. L'atelier photo est dirigé par Michel Yernaud et le travail... Il y a plusieurs personnes, on est bien d'accord. Oui. C'est un travail rigoureux, bien orchestré. Chaque mois, un thème est donné et tous les membres du groupe réalisent des clichés sur le thème. Ensuite, des échanges collectifs permettent de donner un avis sur chaque photo, sur l'aspect technique et artistique, permettant à chacun d'évoluer. Et tout cela dans la bienveillance et le partage. Alors, merci à vous toutes et à vous tous pour cette très belle exposition. L'exposition donc se déroule ce week-end de 11h à 19h. Une tombola est faite avec deux photos offertes par l'atelier photo. Il y aura deux tirages et à chaque tirage... Quand la personne aura été tirée au sort, pourra choisir parmi les deux formats de photos laquelle lui conviendra. Autre chose, les horaires c'est fait et la tombola c'est fait. Alors, pourquoi une tombola? Parce que tout simplement, les fonds qu'on récolte de la tombola nous servent à être réinvestis pour acheter du matériel. Et là, comme vous l'avez vu, effectivement, il y a un peu plus de matériel que la dernière fois. C'est très, très bien. Franchement, voilà. Formidable. Donc, merci à vous. Et puis, je vous fais ça dans le désordre. J'ai oublié de citer quand même les maires déléguées, Madame Ducret, Annick Ducrozet pour la vie associative, et la maire déléguée Marie-Françoise Bonnet, maire de Bellegarde. Voilà. Et puis maire délégué, monsieur premier adjoint, pardon. Non mais je vous dis, je suis fâchée. C'est quoi, on va faire simple. On va dire qu'avant, je suis citoyen, vous m'appelez Christophe et c'est... Allez. Bah voilà, alors Christophe Maillet, citoyen de Valserogue. Voilà. En l'occurrence, je laisse la parole à Michel qui va nous expliquer comment fonctionne l'atelier photo et puis qu'est-ce que vous avez souhaité faire ou dire dans cette expo. Et Anne... Oh non, mais je manque à tous mes devoirs. Et Anne-Laure Ollier qui est là en tant que conseillère départementale. Voilà. Anne-Laure, d'ailleurs, si après tu veux dire un petit mot, bien volontiers. Hein. Alors allons-y pour Michel. Voilà. Moi, je vais l'art des bâtisseurs. Les bâtisseurs, ces hommes qui soient tailleurs de pierre, maîtres d'œuvre, charpentiers, architectes ou sculpteurs, ont construit des prouesses architecturales au fil des siècles. Ils ont rivalisé d'audace et d'innovation permanente, autant pour leur savoir-faire que pour l'évolution des matériaux
un résultat concret et admirable qui a finalement constitué le fondement ou le complément de nos cultures et de leur évolution. L'ensemble des photographes de l'atelier photo Activax sont heureux et fiers de vous présenter leurs 86 réalisations photographiques. D'Oslo à Musinan, comme on parlait, en passant par Belgrade, de pont en clocher, de balcon en cathédrale, ils vous feront remonter le temps depuis le XXIe siècle jusqu'au Moyen-Âge. Fruit d'un travail photographique réalisé de juin à décembre 2022, cette exposition est le point d'orgue grâce à l'assiduité et l'implication de chacun au sein de l'atelier photo, que ce soit Liliane Tétard, notre doyenne, Anastasia Morel, notre Benjamin, Bernard Marandet, Christiane Carland-Bienfait, Claudine Brachet, Eliane Chaumontet, Franck Poncet, Geneviève Lemaire, Gilbert Forner, Jean-Louis Lagrave, Lydia Bréjot, Michel Crémieux, Michel Prel, Sylvain Kievy, ainsi que Maurice Charles et Claude Tissot, sans qui toute cette organisation ne serait pas possible. J'aimerais que vous leur réserviez un tonnerre d'applaudissements, car ils méritent. Alors, au niveau du club photo, on est doté d'un véritable studio photo, où chacun peut s'initier à la photographie en studio et apprendre à lire la lumière. Notre atelier photo est basé sur l'échange et le partage. Il est ponctué très régulièrement, comme on le disait, donc de challenges variés, propres à faire progresser chacun dans sa pratique photographique et artistique, accompagné par de la critique constructive. Nous aimons à choisir un thème pour la saison suivante et ainsi faire de cette exposition un rendez-vous annuel. Dans ce cadre qui nous est cher, le château de Musinan. L'âme qui s'en dégage représente pour nous un écrin pour vous présenter nos réalisations. Merci pour l'accueil chaleureux, les conseils et la disponibilité de toute l'équipe de l'association Renaissance du Château de Musinan, menée par Janine et Régis Saint-Oyant, ainsi qu'Alain Pochet et tous les amis du château. Merci pour eux. Et enfin, j'aimerais remercier pour leur présence Anne Laurelier, donc conseiller départemental de l'Ain, Christophe Maillet, conseiller communautaire adjoint de Val-sur-Rhône. Voilà. Madame Annie Ducrozet, maire déléguée de Châtillon-Michaille, c'est bien cela? Oui. Et adjointe donc en charge de la dynamique associative, en l'absence excusée de Madame Sandra Laurence. Tout à fait. Voilà. Françoise Ducret, maire déléguée de Lancran et adjointe à la maire de Val-sur-Rhône. Marie-Françoise Gonnet, maire déléguée de Bellegarde-sur-Val-sur-Rhône. Je n'ai pas vu Andy Cavaza, je pensais qu'il serait peut-être là éventuellement. Je tiens aussi à remercier pour leur présence et leur soutien Béatrice Gapaya, la présidente d'Activals. Robert Bédina. Thierry Bossan. Voilà. Puis bon, mes excuses si j'ai oublié quelqu'un, hein, m'en tenez pas rigueur. Et puis bah, je vais merci à tous déjà aussi pour votre présence. Et puis je vais passer la parole à Marie-Françoise Gonnet. Si bah, qui sera très brève. Merci pour votre discours. Alors, il n'y a pas très longtemps, je vous avouais que je n'étais pas douée en peinture et en sculpture. Alors, je reconnais cette fois-ci que je ne suis pas douée non plus pour la peinture. Parce que quand je vois ces clichés, qui sont tous aussi beaux les uns que les autres, et il y en a un qui va... J'ai une cheminée chez moi, il irait bien chez moi. Alors, mais apparemment, tout le monde le veut, donc ça va être compliqué. Non, je voulais surtout féliciter les artistes, parce que... Ben, c'est un super travail. Donc Michel, je te remercie toi pour tout le monde. Oui. Toutes mes félicitations. Et puis je serai brève, donc je m'arrêterai là. Si mes collègues veulent dire un mot. C'est très bien. Donc encore bravo. Peut-être pas être très originale, mais bonsoir à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Merci à l'Association du Château et
à l'activité photo d'Activas, parce que c'est beaucoup de travail de bénévolat, et pour le bien de tout le monde, pour le plaisir des yeux, pour un voyage européen qui ne coûte pas grand-chose au niveau carbone. Voilà, le bilan carbone est plutôt négatif, limite. Et un grand merci, parce que c'est vrai qu'on voyage de Bellegarde à Belgrade, à la limite, et voilà, et c'est très chouette. Et il y a des ciels, des vues très proches ou très lointaines qui sont magnifiques. Merci beaucoup, et puis continuez bien, parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir. Merci. Eh bien, on va vous inviter à partager cette collation faite maison par l'ensemble des membres du photoclub Actival. C'est préparé avec amour. Et puis voilà, l'ensemble. Vous avez fait la photo avant ? La photo de la on va pas faire des photos de tout le monde. On fait pas des photos de une belle photo, non ? C'était pas le thème, voilà. On va dire que c'était pas le thème. Et bravo pour les